J'adore cette chanson, je m'en bats. Je me suis posé la question de savoir quelle musique allait accueillir les personnes qui sont ici, et bien c'est celle-là. C'est cette chanson qui est venue, et je la trouve, ben voilà, hyper bonne. C'est vrai, ça met la joie. Bienvenue tout le monde, bienvenue par ici. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour justement ce petit live en ce lundi. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine, que vous avez passé aussi un bon week-end, les amis. Je suis ravie de vous retrouver. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, ne vous inquiétez pas, nous allons apprendre à nous connaître. on va apprendre à se connaître parce qu'en fait... tout simplement, aujourd'hui, j'avais envie de venir vous parler, de cette nouvelle dynamique sur laquelle je sers aujourd'hui, en ce moment. Et je voudrais, venir ici vous parler, de la notion de détachement, de lien, et de, retrouver son contrat à l'origine des choses, voilà. Je voudrais vous parler de ça aujourd'hui, vous parler de cette prestation que j'ai mis en place, ce nouvel élan que j'ai mis en place. Et j'aimerais également venir aussi vous partager une anecdote, une prise de conscience que j'ai fait. Et je voudrais à ce moment-là vous expliquer tout le démêlé, tac, 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 de comment ça s'est passé pour moi quand je suis passée de la prise de conscience par rapport à l'argent mon fort intérieur, ma météo intérieure, mon monde intérieur, comment j'ai réussi à faire le lien entre les deux. Et ensuite, comment j'ai fait, grâce à la prestation, le détachement des liens, j'ai réussi à récupérer une forme d'individualité. Voilà les amis. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien je m'appelle Angélique. Je suis une accompagnante. Une accompagnante pour tous. L'accompagnement, c'est mon dada, c'est mon métier. Je vous aide, chers amis, à voir le bon côté des choses dans votre existence. Je vous apprends aussi à lire votre histoire de vie. Je vous accompagne sur votre chemin pour comprendre votre passé afin de pouvoir être plus dans le présent et pour pouvoir aussi mettre en place des choses pour votre avenir. J'ai fait un travail pendant une auto-investigation, plutôt on va arrêter d'utiliser le mot travail quand même. J'ai fait une auto-investigation de mon histoire depuis de nombreuses années maintenant et j'ai appris beaucoup de choses. J'en ai tiré de profonds enseignements. Et en fait, aujourd'hui, j'ai la possibilité de mettre toutes ces pratiques et tous ces enseignements au service de tous pour vous aider à la fois à comprendre votre histoire de famille, votre vie personnelle, votre vie sentimentale, mais aussi à aller voir sur le plan professionnel qu'est-ce qui pourrait être à votre portée en fonction de la personne que vous êtes. J'ai une capacité de lecture intuitive associée au discernement qui me permet de lire votre aura et de lire votre histoire, votre vie, votre énergie, qui vous êtes, et de poser des jalons, des directions, et de vous donner des possibilités de regarder votre vie sous un autre angle. Voilà, pour celles et ceux qui le souhaitent, je propose des séances individuelles. N'hésitez pas à me contacter, Angélique Ferreira... Angélique Accompagnement 46, et alors tellement de boîtes mail, Angélique Accompagnement 46@gmail.com. N'hésitez pas aussi à aller voir mon site internet et mon blog, sans oublier ma chaîne YouTube, où ce live sera aussi redisposé sur la chaîne YouTube, les amis. Alors j'espère que vous allez bien, je pense que ce matin il y aura beaucoup plus de monde en replay qu'en live, c'est pas très grave. Et pour les personnes qui viennent en live, je suis ravie de vous accueillir, bienvenue par ici. Alors j'avais envie de vous parler justement d'une prestation, on peut l'appeler comme ça, mais voilà, d'une nouvelle façon de travailler que j'ai aujourd'hui. En fait depuis quelques temps, je suis plutôt sur... quelque chose de beaucoup plus, on fait un petit peu plus de broderie dans le travail que je propose. C'est beaucoup plus de la broderie, c'est-à-dire qu'on va être un petit peu plus dans le détail des choses et va y avoir des choses beaucoup plus concrètes. Moi-même,
J'expérimente, hein, j'expertise moi aussi dans mon travail, c'est-à-dire que tout ce que je propose en matière d'accompagnement, en matière d'outils aussi, d'outils ou de systèmes de détachement des choses et d'expertise, ce sont des choses que j'ai expérimentées moi-même, que j'ai créées moi-même, qui sont issues de mon expérience, qui sont issues de mon vécu, d'accord ? Donc, puisque c'est issu de mon vécu, c'est issu de mon empreinte énergétique. Et donc, automatiquement, si ça parle à certains, si ça rayonne, les gars, profitez-en. C'est pas gratuit, mais quand même, profitez-en. Allez-y, piochez. Piochez les choses. Et en fait, je travaille depuis pas mal de temps maintenant sur la notion de lien entre les personnes. Et c'est vrai que j'aime à dire que nous vivons dans une pièce de théâtre ou dans un film au travers duquel nous sommes l'acteur principal, l'actrice principale. Et j'aime regarder le monde dans lequel je vis comme étant justement un monde où je suis l'actrice principale et les personnes autour de moi ne sont que les figurants qui sont là pour me donner la réplique, d'accord ? Et donc obligatoirement, j'ai différents choix qui se proposent à moi. Soit je lutte contre la vie que l'on me propose et à ce moment-là, toutes mes adversités, toutes mes problématiques, je les vois contre moi. Ou alors je décide de les mettre à mon service. Et c'est ce que j'encourage la plupart des gens à faire, c'est aller regarder leur vie sous un autre angle. Et j'ai appris au fil du temps à aller regarder, à apprendre à lire la vie dans laquelle je suis, apprendre à lire les gens autour de moi, apprendre à lire les événements que je traverse. Et d'aller derrière à chaque fois tirer une leçon, ça m'a permis de augmenter mon intuition, d'augmenter mon discernement, d'être beaucoup plus fine dans l'interprétation des messages, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai la capacité de voir, et ça tout le monde peut le faire s'il s'y met un petit peu, de voir les signes et les messages de la vie, hein, les synchronicités, tout ça. Je m'en sers tous les jours pour aller voir un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Et cette capacité d'intuition, cette capacité de lecture, c'est un travail de plusieurs années qui a été mis en place parce que je n'arrivais pas à trouver d'accompagnement autour de moi, je n'arrivais pas à trouver de choses qui me correspondaient. Du coup, je me suis dit, je vais aller créer sur mesure moi-même avec mes outils, avec ma personnalité, mes propres outils, mon propre accompagnement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai commencé par le transgénérationnel, puisque le transgénérationnel, c'est la première, on va dire, la première des perspectives. Et en fait, avec le transgénérationnel, je me suis dit, ben, s'il y a un lien psychologique entre les personnes, s'il y a un lien tout court avec les gens, ben, c'est qu'il doit y avoir quelque chose, effectivement, qui se passe entre les personnes. Donc, pas de problème là-dessus. Et du coup, je me suis dit, ben, on va aller explorer les liens, pourquoi les gens, ils ont des liens entre eux, et surtout, quelle est la conséquence des liens sur notre vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que la notion de blocage était bien présente dans notre vie. On a des freins, on a des blocages, il y a des choses qui ne nous permettent pas d'avancer et d'évoluer. Et en fait, tout simplement, c'est parce que nous avons un système d'éducation, un système de vie, un système de conditionnement, on a des souvenirs, on vit des choses dans notre vie qui ne sont peut-être pas forcément très joyeuses, et on a aussi un passé avec des chocs et des traumatismes. Tous ces chocs et ces traumatismes ont un impact extrêmement fort et laissent des traces dans notre cerveau, et ça c'est pas de la magie, c'est de la science. Et donc en fait, imaginons une personne qui va se faire renverser en voiture quand elle était enfant, ne va peut-être pas pouvoir passer son permis de conduire plus tard. Et c'est pas parce qu'elle n'aura pas envie, c'est juste qu'elle a un traumatisme qui l'empêche d'y aller. Et son système va seulement créer des stratégies pures dans la matière pour ne pas pouvoir aller passer ce permis de conduire. Et cette personne va peut-être passer pour une fainéante, cette personne va peut-être passer pour un manque de courage, mais en fait non. C'est simplement son système qui s'est mis en mode survie pour ne pas passer ce permis, parce qu'à la base, le problème, c'est que quand elle était enfant, cette personne a eu un accident de voiture qui lui a laissé un choc et un traumatisme tel qu'elle ne peut pas rentrer dans une voiture. Et donc, je me suis rendu compte que tous ces systèmes, tous ces souvenirs étaient là, bien présents, bien traumatisés, bien choqués, bien limitants, et ne nous permettaient pas de faire ce que l'on veut dans notre vie. Et un jour, quelqu'un a dit, j'avais entendu quelque chose qui disait qu'on ne pouvait pas accéder à son inconscient. Moi, je me suis dit, il y a forcément un moyen de faire les choses. Et c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, au travers de l'hypnose,
un état modifié de conscience, on peut très bien aller déconnecter un schéma de fonctionnement néfaste. On peut très bien aller chercher un système dysfonctionnel pour le changer, en faire autre chose. On peut à un moment donné récupérer son individualité. Moi, je l'ai vécu parce que je suis passée par des choses assez compliquées sur le plan émotionnel et sur le plan psychologique. Et du coup, en allant faire de l'hypnose, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais tout à fait capable d'aller travailler avec mon cerveau droit, mon cerveau gauche, que j'étais tout à fait capable de reprendre mon pouvoir sur des situations, mais ce n'était pas suffisant. Et en fait, tout simplement, j'ai ouvert des portes au fur et à mesure. Et je me suis dit, ben, tu vas aller voir le lien avec les autres, le lien avec les gens et les conséquences que ça a aujourd'hui. Parce que je me rendais compte que certaines choses, je ne pouvais pas faire. Par exemple, je ne pouvais peut-être pas être assez visible. Je ne pouvais peut-être pas forcément non plus avoir autant de prospérité que je le voulais, aussi bien sur le plan du succès ou sur le plan de l'argent. Et du coup, je me suis dit, ben, il doit y avoir une raison à tout ça, tout simplement. Et effectivement, le lien que nous avons entre les personnes dans notre vie sont parfois limitants et ne nous permettent pas justement de faire ce que nous voulons. Cette phrase qui dit « quand on veut, on peut », ça c'est de la merde en boîte, vous le prenez, vous le balancez à la poubelle, parce que ça ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que l'on veut quelque chose que l'on peut l'obtenir. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes dirigés à 95% par notre inconscient et notre inconscient n'est que le résultat, la somme de toutes ces additions, conditionnements, maltraitances, chocs, traumatismes, mauvaises expériences, vérité qu'on se raconte. Tout ça condensé dans une équation qui donne la somme de tout ceci, qui se compose dans notre inconscient, limitant à 95%. Il n'y a pas que des limitations dans notre inconscient, mais ce qui prime le plus, ça va être cela. Et c'est ça qui ne va pas vous permettre de pouvoir aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez, même si vous avez des tas de trucs sur Internet qui vous dit que tout à fait possible de faire ce qu'on veut à partir du moment où on a que des pensées positives, on cul la balayette, hein, ça c'est pareil, vous me foutez ça à la poubelle. Arrêtez de vous emmerder à répéter 36 fois par jour que vous êtes beau, que vous êtes belle et que vous êtes joyeux et que tout va bien dans votre vie. Si dans votre vie, c'est de la merde. Ça ne marche pas comme ça. Tout simplement parce que si vous avez une limitation, qu'elle vous empêche, c'est une véritable torture au point d'un exorcisme, et c'est vrai, c'est-à-dire que on arrive à un point où l'attitude est tellement toxique, néfaste, dysfonctionnelle que vous pouvez faire tous les rituels de merde que vous voulez, ça ne marchera pas. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Mes consciences me le disent depuis des années, avec tout ce que j'entreprends, avec tout ce que je fais sur le plan des accompagnements, avec tout ce que je perçois et avec tout ce que j'ai réussi à transformer avec les gens qui sont venus me voir. C'est vrai que si on va pas chercher dans l'inconscient, vous pouvez faire autant de chèques d'abondance que vous voulez, vous pouvez faire autant de bonhommes allumettes que vous voulez, vous perdez votre temps. Faites, testez, allez-y. Je ne suis pas là pour dénigrer le travail des autres, mais c'est simplement pour vous montrer la réalité des choses, parce que je sais que mes consciences de plus en plus me disent, Angélique, il y en a ras-le-bol. Dis-leur à tous ces gens que sortez de votre bulle développement personnel, spiritualité, j'y suis passée, je sais ce que c'est. Sortez de votre bulle, redescendez de votre planète et allez voir un petit peu comment ça se passe dans le vrai et dans le concret. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille sur un plan où c'est tellement concret là où je suis et de ce que je perçois. Je ne dis pas que tout ce que je fais, c'est vrai, ça marche, mais je dis simplement qu'il y a un autre regard à avoir sur le sujet. Il y a des gens qui ont encore besoin aujourd'hui d'aller voir tout un tas de trucs, et allez-y, faites-vous plaisir, expérimentez, allez voir par vous-même, parce que vous êtes aussi à des niveaux de conscience où vous devez passer par là, et je vous y encourage, allez-y. Mais si ça ne marche pas, c'est qu'il y a autre chose, d'accord ? Et donc, au fur et à mesure, mes consciences, en fait, m'ont amené depuis quelques temps à aller développer un outil différent. En fait, je travaille ce que j'appelle le contrat. Mes consciences me l'ont envoyé comme ça. J'ai trouvé ça quand même assez drôle qu'ils me l'envoient de cette manière-là. Je me suis dit, mais comment ça? Et mes consciences me disaient, en tant qu'accompagnante, t'as une bête de protocole. J'ai dit, ah bon, j'ai un protocole, moi, en tant qu'accompagnante? Parce que c'est vrai que quand je suis en séance avec les gens, je me cale sur leur prisme, j'arrive à percevoir leur énergie. Alors, c'est pas comme une lecture d'aura où, en fait, on verrait des couleurs, ça n'a rien à voir. En fait, moi, je prends la personne en empathie, j'accède à son histoire et j'arrive à regarder les nœuds, les liens entre les personnes et à savoir ce qui est dysfonctionnel ou pas et où se trouve le sujet sous-jacent. Donc c'est une lecture très précise qui me permet de plus en plus maintenant depuis quelques années d'avoir, et encore ça augmente, d'avoir une intuition et un discernement beaucoup plus fin, beaucoup plus perceptible. Et donc c'est un travail qui a mis des années à venir jusque-là. C'est l'association de plusieurs prises de conscience, de plusieurs libérations, de plusieurs responsabilités de moi-même qui font qu'aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, et merci
n'est-ce pas? Et du coup, mes consciences m'ont parlé d'un nouveau truc qu'on appelle le détachement des liens. Et ça, c'est hyper drôle. Et mes consciences m'ont dit, mais Angélique, t'as une bête de protocole. Et j'étais dans une problématique dans ma vie. Depuis un mois, il y a plein de choses qui viennent toquer à ma porte sur le plan familial. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur YouTube, vous pourrez la trouver, qui s'appelle « Les contrats familiaux ». Je vous encourage à aller voir cette vidéo. Je vous mettrai le lien en commentaire. Je vous encourage à aller voir cette vidéo parce que, justement, elle est juste géniale parce que j'explique bien, justement, le lien entre ma grand-mère, ma mère, mon fils et moi et à quel moment il y a une limitation. Et j'explique dans cette vidéo comment est-ce que, justement, j'ai réussi à les déceler par le biais de la lecture intuitive. Donc, la lecture intuitive, c'est quoi? C'est votre intuition associée à votre discernement. Et vraiment d'aller prendre vos responsabilités. C'est vraiment une lecture que tout le monde peut avoir. Il faut juste s'entraîner à l'avoir. Et il faut juste se donner les moyens, le temps et la maturité d'y aller. Et sachez une chose, c'est que si certaines informations ne peuvent pas vous être transmises dans votre vie, c'est parce que vous manquez de maturité émotionnelle et vous manquez de maturité. Et par exemple, on va pas aller dire à une personne, moi ça m'arrive en séance, des fois il y a des choses que je ne peux pas révéler à la personne parce qu'elle n'est pas assez mature sur le plan émotionnel pour l'entendre. Parce qu'il y a des fois certaines vérités qui font mal à entendre parce que ça amène une transformation telle que des fois on passe par des trucs très très lourds. Et s'il y a des choses qui ne peuvent pas vous être amenées aujourd'hui, c'est parce que vous manquez de maturité émotionnelle. Moi-même qui ai un peu de bagage maintenant dans le milieu, on va dire, moi aussi des fois je passe par des trucs hyper compliqués. Et quand je vois la maturité émotionnelle dont il faut faire preuve et avoir pour entendre certaines vérités quand on en prend conscience, ouais, il y a des fois on passe par des trucs très durs et je comprends pourquoi certaines personnes en fait ne peuvent pas se débloquer leur situation tout de suite parce qu'il y a besoin d'une maturité émotionnelle quand même assez mature pour entendre certaines vérités. Alors en fait là justement cette histoire que je suis allée travailler. Donc ça concernait justement la vidéo sur les contrats familiaux l'explique très bien et c'est parce que j'ai fait cette auto-investigation que j'ai pu mettre au jour justement cette prestation que mes consciences m'ont dit on va appeler ça le détachement des liens qui s'appelle en fait finalement retrouver son contrat d'origine. Et qu'est-ce que c'est retrouver son contrat d'origine? Alors déjà, on n'est pas du tout sur une lecture d'âme. Ça, vous me le foutez ailleurs. Ça n'a rien à voir. On parle vraiment de son être en tant qu'individu face aux autres, en tant qu'être humain face aux autres. En fait, face aux gens, on crée des liens par l'éducation, par l'attachement, par le conditionnement, par tout un tas de trucs. À partir du moment où vous interagissez avec une personne, vous créez un lien invisible avec elle. Et cette personne va venir en miroir vous révéler tout un tas de profondeurs chez vous. Ça peut être bénéfique, mais ça peut être aussi défavorable. Et l'idée de cette prestation, qui s'appelle le détachement des liens, retrouver son contrat à l'origine de sa vie, c'est justement aller voir quel est le contrat que j'ai avec cette personne. Parce que cette personne, c'est bon, la leçon, je l'ai comprise. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Moi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de passer à autre chose. Et le fait d'aller récupérer son contrat d'origine, et je le répète, ce n'est pas un contrat d'âme, ça n'a rien à voir, c'est justement aller revisiter l'intention de départ. Parce qu'en fait, quand on est en relation avec les gens, on va avoir une intention de départ dans la relation, mais si on est en relation avec ces personnes pendant 3, 4, 5, 10, 20 ans, 10 ans plus tard, l'intention n'est plus la même, et du coup, c'est là que le blocage se fait ressentir et qu'on a besoin de passer à autre chose. Donc en fait, la prestation, le détachement des liens, quand je suis allée chercher cet outil qui est quand même assez rigolo, l'idée c'était de créer cet outil. Moi j'avais envie de le mettre au service des gens et mes consciences m'ont dit, toi tu vas t'en servir pour quoi dans ta vie? Moi je m'en sers dans ma vie quand j'en ai ras-le-bol. Quand j'en ai ras-le-bol d'une situation où je suis complètement bloquée, où j'en ai marre, je pense que je traîne dans la semoule et que ça fait longtemps que c'est là et qu'il y a encore une part de moi qui a besoin d'aller se moucher le nez là-dessus. Et là, il y en a ras-le-bol, on a assez de maturité pour aller chercher ce truc-là. Et donc, à la base, ça a été créé vraiment pour ça, parce que j'en avais marre d'être un petit peu dans l'intérim face à ma famille et que c'est pas parce que ma famille sont bloquées dans la semoule que moi aussi, je vais être bloquée dans la semoule. À un moment donné, c'est stop. Et ensuite, du coup, c'était vraiment dans l'idée d'aller chercher cette putain de non-autorisation. Il y avait vraiment ce truc-là, parce qu'en fait, j'arrivais pas à m'autoriser, tout simplement, aussi bien sur le plan professionnel, aussi bien sur le plan personnel, j'arrivais pas à m'autoriser à être moi, à être dans ma lumière. Et vraiment, ce truc, ça m'a gonflé, et je me suis dit, mais on va aller voir ce que c'est. Et effectivement, alors, mes consciences m'ont dit, bah, tout simplement, on va aller lire ton contrat. Et en fait, comment ça se passe? Stylo papier. En fait, en canalisation, j'arrive à obtenir le titre du contrat en question. Et ensuite, je vais arriver à
obtenir toutes les clauses du contrat. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez retrouver sur mon site internet, vous allez retrouver le contrat dont là nous allons parler, que j'ai été travailler. Ce contrat, il concerne quoi? C'est rigolo parce que l'autre jour, je suis allée en forêt et je me suis posé la question. Mes consciences m'ont dit, quelle est la différence entre tes proches et toi? Alors, il y a plein de sujets sur lesquels je suis différente de mes proches. Mais là, le sujet qui était derrière, et ça faisait plusieurs jours que je me posais la question, c'était sur le plan de la matière, la manière avec laquelle la matière me répond ou ne me répond pas. Et c'était aussi d'aller regarder sur le plan financier. Mes consciences m'ont dit, quelle est la différence sur le plan financier, par exemple, entre toi et ta famille, toi et tes proches, ton entourage? Et là, je me suis dit, alors en fait, mes consciences m'ont dit, qu'est-ce que eux ont que toi tu n'as pas? Quelle est la chose que toi tu as et que eux n'ont pas? Je vous encourage, à chaque fois que vous avez un problème avec quelqu'un, de faire ce switch, d'aller vous poser la question. Et là, je me suis dit, c'était spontané, intuition en avant, bonjour, plus discernement égale clairvoyance de malade. Et là, le truc qui s'est pointé, c'était très simple, c'était toi, t'as une vie intérieure épanouie, mais ton portefeuille n'est pas aussi plein que ça. Eux, ils ont une vie intérieure désastreuse ou du moins en souffrance. Par contre, ils ont un compte en banque ras la gueule. Et là, c'est vrai. Et effectivement, en fait, par rapport à l'argent, et là, je vous donne un topo sur l'argent, si vous avez du mal sur le plan financier, allez voir votre vie intérieure dans quel état elle est. Et moi, je me suis rendu compte qu'en fait, alors je vais essayer de retrouver le contrat que j'ai fait. Je vais essayer de vous le retrouver pour vous donner le titre du contrat. Alors, je l'ai dans les docs. Contrat, schéma inconscient, loyauté, vie intérieure et argent. Alors, je réécris tout, hein. Vous connaissez maintenant depuis le temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans les bois et j'entends ça. Et là, je me dis, putain, c'est tellement évident. Et effectivement. Parce qu'en fait, normalement, vous savez, dans la spiritualité, on vous dit que plus vous êtes aligné dans votre vie, plus l'abondance se pointe, la matière s'aligne, blabla, machin, mon cul. T'as raison. T'as raison. Continuez. Continuez. Continuez à aller dans ces trucs-là. En fait, pas du tout. Pas du tout, parce que pourquoi? On en revient toujours à la même chose. À partir du moment où vous avez un schéma inconscient qui vous dit le contraire, vous pouvez aller regarder tous les livres de spiritualité, faire toutes les méditations du monde que vous voulez, ouvrir tous les chakras que vous voulez jusqu'au 50e, ça marchera pas. Et là, ça, vous le prenez, vous en faites ce que vous voulez. D'accord. Sachant que je suis passée par la sphère spirituelle et de développement personnel, j'ai le droit de me le carrer comme ça, les gars. Je vous le dis. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'un seul coup, j'ai entendu cette phrase qui était donc le titre du contrat en question. Parce que tu seras désaxé de l'intérieur, je prendrai soin de toi. Ça, c'est le titre du contrat inconscient entre la matérialité et le bien-être intérieur. En fait, dans mon existence à moi, dans mon contrat, dans mon parcours de vie, plus je suis alignée à l'intérieur de moi, moins la matière peut me répondre. Les finances, ça répond pas. Plus je suis désaxée de l'intérieur, c'est-à-dire, désaxée, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Désaxée, ça veut dire, moi je vais bosser mon dev perso, moins je serai alignée avec l'être que je suis, plus je serai dans mon ego blessé, plus la matière va me répondre pourquoi? Parce que dans mon contrat, la matière est là pour compenser le désaxage, si vous voulez. Plus je suis désaxée, plus la matière va me répondre de quelle manière? En me donnant de l'argent, en me donnant des consultants. Mais les consultants qui vont venir me voir vont être à l'image de mon désaxage. C'est-à-dire que des fois, j'ai des gens en séance, je me dis, mais pourquoi je continue avec eux? Et à partir du moment où je décide que mon bien-être prime sur le reste, ces gens-là disparaissent. M'envoient un message pour me dire, finalement, je vais pas continuer parce que j'ai pas l'argent ce mois-ci ou parce que... Et c'est OK. Soit je leur cours après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Soit je leur cours après... Et à ce moment-là, je valide mon mal-être intérieur. Et à ce moment-là, je vais avoir en face de moi tout un tas de gens qui vont avoir tout un tas de problèmes personnels, d'accord? Qui, à un moment donné, vont me gonfler à un point pas possible. Parce qu'en fait, je vais aller dans la semoule avec eux et je vais pas pouvoir faire plus parce que c'est pas à moi de faire le boulot. À un moment donné, c'est à eux de le faire. Ou alors, je suis OK avec mon fort intérieur. Et là, je prends posture. Je me dis, oui, j'ai ouvert plein de choses au fond de moi. Tout est carré, tout est nickel. Je suis dans mon rayonnement. Et à ce moment-là, la matière va me dire, eh bien, c'est d'accord. Tu es dans ton rayonnement. Je ne peux plus répondre. Et à ce moment-là, la matière s'éloigne. Et mes consciences m'ont dit, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'en fait,
Alors c'est très con, hein. Vous allez voir. Quelque part, moins t'as de clients, plus t'es aligné. Parce qu'en fait, les personnes, beaucoup de personnes qui sont venues me voir, pas toutes, hein, mais il y a des personnes qui sont venues me voir jusqu'à présent, et j'ai encore fait une expérience ce matin, qui sont venues me voir jusqu'à présent, c'était quelque part parce qu'elles voulaient être sauvées. Moi, j'ai des gens qui sont venus me voir pour ça, parce qu'ils voulaient être sauvés, parce qu'ils voulaient que je fasse le boulot à leur place. Sauf que mes consciences m'ont souvent dit, on t'autorise à accéder à leur inconscient, on t'autorise à faire des choses avec eux, mais par contre, ce n'est pas à toi à faire le boulot. Et en fait, quand je force et que je me dispose en sauveuse des gens, qu'est-ce qui se passe? Dans les expériences, parfois, je me tape une vitre. Et en fait, j'ai une migraine toute la journée qui va se pointer là. Ça veut dire que j'ai forcé, que j'ai été dans un coin où j'avais rien à faire là. D'accord? Et donc, en fait, quand j'ai obtenu ce contrat qui disait, parce que tu seras désaxé de l'intérieur, je prendrai soin de toi. Là, j'ai pu écrire le contrat initial. Je suis tombée, en fait, sur le contrat initial. Alors, je rappelle le sujet. Je réalise que j'ai une ligne de code inconsciente reliée à l'argent qui ne me permet pas d'en avoir en quantité équilibrée entre l'être et le faire. Je ressens que tout ceci est lié au bonheur, la joie, que c'est en manque d'équilibre avec la souffrance. Je réalise que parce que j'ai une vie intérieure équilibrée, épanouie, je ne peux être dans l'équilibre joie égale argent. Par contre, si à contrario ma vie intérieure se trouve irréelle, non stable ou inexistante, alors l'argent sera toujours présente comme une compensation. Je décide de redéfinir les limites du contrat suivant, le contrat C, parce que tu seras désaxé de l'intérieur, je prendrai soin de toi. Et ça, ce contrat, je l'ai canalisé, c'est le mien. C'est mon rapport entre ma vie intérieure et ma vie matérielle. Alors, je ne vais pas vous lire le contrat parce qu'il est long, hein. Il doit faire combien de pages? Non, il fait que 2 pages celui-là, je l'ai mis que sur 2 pages. Mais je vous le mettrai sur mon site internet pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble. Et c'est ce travail-là en fait que je fais avec les personnes en séance aujourd'hui, que je peux proposer aux personnes en séance aujourd'hui, aller travailler ce contrat-là. Par contre, chose très importante, et c'est toujours dit dans les contrats, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est que ce n'est pas une prestation de contrat de lecture d'âme, c'est-à-dire vous venez, on raconte votre vie et puis vous partez, tout va bien. Non. Le truc qui se passe vraiment, qui est très important, et mes consciences me le disent à chaque fois, c'est stipulé dans le contrat à chaque fois, c'est qu'il y a un travail d'auto-investigation et d'analyse de son histoire avant de pouvoir accéder à ce contrat-là. C'est-à-dire que la séance, comment elle se compose? Très simplement. Elle se compose en fait d'une investigation, c'est-à-dire qu'on ne peut pas amener une libération d'un sujet tant qu'il n'est pas amené à votre conscience. C'est-à-dire que dans un sujet, si vous n'allez pas voir votre responsabilité, votre positionnement, qui vous avez été dans ce sujet, qu'est-ce que vous avez subi, le contrat ne peut pas être écrit. Parce que il a besoin vraiment d'être auto-investigué. Vous avez besoin, vous, de remettre sur vos étagères inconscientes toutes les personnes concernées, votre responsabilité, qu'est-ce que vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez perdu. Il y a vraiment un travail d'auto-investigation à faire avant de pouvoir accéder au contrat. C'est-à-dire que peut-être que suite à une problématique que vous avez, il faudra peut-être en amont une séance ou 2 séances qui permettront justement d'amener cette lumière, d'amener cette prise de conscience. Aucun schéma inconscient ne peut être, dévoilé, libéré ou faire sauter si vous n'allez pas auto-investiguer, si vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. Parce que si jamais vous tombez sur une prestation, par exemple, que des gens vous disent « Ah, mais moi, je te propose de faire des contrats de ci, de là, de libération, de tralali, tralala », sans aller faire le travail à la racine, ça ne marchera qu'en surface et ça ne durera pas. Il faut vraiment aller dans les profondeurs. Et mes consciences m'ont dit, tant que le travail d'auto-investigation n'est pas fait, le détachement du lien n'est pas autorisé. Et ça paraît tellement logique. Et pour ma part, je fonctionne comme ça aujourd'hui, et étant convaincue de ce qui s'est passé et de ce que moi j'ai pu libérer, quand je vois le process, comment ça marche, bien évidemment que je ne peux que le proposer de cette manière-là. Donc en fait, comment ça marche? Tout simplement, vous prenez contact avec moi, vous me racontez votre blocage, vous me racontez votre histoire, vous me racontez votre problématique, on prend ce temps d'investigation. Si j'estime pendant la séance que ça va être trop long, on rajoutera une séance de plus, d'accord, qui sera bien évidemment supplémentaire, hein, au niveau du règlement, on est bien d'accord. À partir du moment où j'ai toutes les informations que j'obtiens, je peux accéder au contrat d'origine. À un moment donné, ça va être donné, bien évidemment. J'accède au contrat d'origine. Et à ce moment-là, on établit le contrat d'origine, c'est-à-dire que moi, je l'écris, je l'enregistre et je vous l'envoie.
Bien sûr, vous êtes en face. Vous êtes là, vous êtes avec moi, vous êtes présent. Tout se fait en direct. Et vous repartez avec votre support audio, votre support PDF aussi, que je vous envoie. Et pour que vous puissiez réécouter peut-être ce contrat. Et pourquoi est-ce qu'il est important que vous soyez présent durant cette séance? Parce qu'en fait, au fur et à mesure que je lis ce contrat, que je le récite, en fait, vous avez des souvenirs. Et en fait, votre inconscient, il fait le boulot. Je l'ai fait en séance il n'y a pas très longtemps avec une personne. Donc on l'a fait au fur et à mesure, c'était un petit peu plus long. C'est pour ça que mes consciences m'ont dit, maintenant tu vas le faire en version enregistrée, tu verras, c'est vachement plus sympa. Et c'est vrai que c'est vachement plus sympa. Et ces contrats peuvent concerner différentes problématiques. Ils peuvent concerner l'évolution professionnelle pour vous lancer, pour créer des choses. L'émancipation personnelle aussi, parce que on vit souvent en intérim au travers des gens, au travers des autres. Et l'idée, c'est d'aller chercher aussi son individualité, réussir les choses pour soi. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à dire non sur ça? Pourquoi est-ce que je me sens encore prisonnier sur ça et sur ça? On peut aller travailler tous les schémas de répétition, tous les schémas d'addiction aussi. C'est très important. Toujours dans l'idée de récupérer son individualité, récupérer son équilibre, récupérer son territoire. C'est très important. La lecture de son histoire, en fait, la compréhension de son histoire permet de remettre tout le monde à sa place et de remettre les sujets au bon endroit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre sur... vous allez découvrir sur mon profil Facebook... justement la prestation détaillée, hein, vous allez voir la com que je vais sortir ce matin pour les personnes que ça intéresse, qui veulent venir un petit peu voir tout ça. Qu'est-ce que ça engage ensuite, par la suite, en fait, sous quelle forme, on va dire, peut prendre cette fameuse ce fameux détachement de lien? En fait, le détachement de lien, il concerne deux personnes, automatiquement vous et une personne en face qui est dans ce lien. Une fois que le contrat a été fait, la situation va se démêler d'elle-même. De quelle manière? Tout simplement, il va probablement vous arriver par le système des synchronicités de la vie, des événements derrière. Peut-être que la personne va tout simplement passer à autre chose. Peut-être que la personne avec qui vous avez un lien va tout simplement vous changer de comportement avec vous. Vous oubliez peut-être aussi, ça peut arriver. Et vous allez peut-être aussi avoir une autre opportunité qui va arriver derrière. Je vous donne un exemple. Quand j'ai travaillé le détachement de lien sur mon histoire avec ma grand-mère, ma mère et mon fils, ce que j'ai trouvé d'assez intéressant, parce que l'univers nous teste, 3 jours après, ma mère vient me demander, alors pour les personnes qui veulent savoir exactement en quoi, quelle est donc cette histoire, je vous encourage à aller voir sur ma page YouTube, vous allez avoir la vidéo qui s'appelle « Contrats familiaux », allez voir et vous comprendrez. Et en fait, ma maman, qu'est-ce qu'elle est venue me demander 3 jours après, moi j'ai réécrit ce contrat. Ma maman est venue me voir parce qu'elle avait une problématique et elle voulait que je me dispose comme sa thérapeute. Sauf que dans cette histoire de contrats familiaux, l'idée c'était justement de me détacher, de ne plus être la thérapeute de ma maman, de ne plus être la thérapeute de ma famille, pour que je puisse récupérer mon territoire et mon individualité. Et en fait, mes consciences m'ont dit, là c'est un test que l'on t'envoie. Soit tu continues et tu continues d'être la thérapeute de ta maman et dans ce cas-là, le contrat que nous venons de signer ne marche pas. Soit ici, on te donne une opportunité. Et en fait, ce sont toujours des opportunités nouvelles que vous allez avoir derrière. Ce que mes consciences appellent les nouvelles chances. La seconde, la troisième, la quatrième chance. Il y aura toujours une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité d'avoir un nouvel élan et un nouveau mouvement. Et en fait, ma mère me pose cette question, elle me raconte ça. Et là, mes consciences me disent, soit tu continues et tu restes toujours dans ce même schéma, soit tu fais en sorte que, justement... ta maman passe à autre chose. Et ce que j'ai trouvé d'intéressant, c'est qu'en fait, il a fallu que moi j'aille dans cette conversation que je n'avais pas d'habitude avec ma mère, où je lui expliquais que j'étais sa fille et non pas sa thérapeute, et que je l'ai encouragée à aller voir une autre personne. Et elle a compris. Et toute seule, elle-même, elle m'a dit « Oui, tu as raison, et je vais aller voir quelqu'un d'autre. » Et en faisant ça, j'ai permis à ce contrat de s'affirmer dans la matière. Et aujourd'hui, je peux me disposer comme étant seulement sa fille et non plus sa thérapeute, sa sauveuse, comme je l'étais quand j'étais enfant, d'accord? Donc c'est de cette manière-là, en fait, que les choses peuvent se décanter dans la matière, vous pouvez avoir de nouvelles opportunités, vous pouvez aussi avoir une nouvelle relation qui va s'inviter avec la personne, et même vous, sur le plan personnel, il y a des choses qui vont changer. Moi, je sais que pour ma part, ça m'a permis d'aller dans une nouvelle compréhension de qui j'étais. J'ai eu de nouveaux outils qui sont arrivés, j'ai eu de nouvelles occasions d'aller voir une autre façon de voir les êtres humains. Il y a de nouvelles clés qui sont venues sur mon chemin, et surtout, sur le plan physique, j'ai vraiment senti une paix intérieure qui s'est vraiment installée et une lecture différente aussi. Ça a augmenté mon intuition. J'ai eu une lecture différente et j'ai pu m'affirmer différemment et ça m'a fait énormément de bien.
Alors, pour les personnes que ça intéresse, je vous encourage à me contacter, angelicaccompagnement46@gmail.com. Vous pouvez également aller voir, je vais disposer sur, justement, sur mon site internet. Je vais disposer le contrat que moi-même j'ai écrit grâce à mes consciences sur la notion de l'argent, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, nous avons été voir un petit peu, parce que tu seras désaxé de l'intérieur, je prendrai soin de toi. Et qu'est-ce qui s'est passé justement suite à l'écriture de ce contrat? Qu'est-ce qui m'est arrivé justement par rapport au lien de l'argent? Eh bien en fait, tout simplement, une opportunité extraordinaire. Une personne m'a téléphoné pour me demander de participer à une journée consacrée à la femme. Alors cette personne m'a dit... Je vois en toi, très important, je vois en toi quelque chose, tu as une façon de parler, tu as une façon d'amener les projets, et moi je veux que ce soit toi qui vienne pour animer ce truc-là, j'ai vu quelque chose en toi, je veux que ce soit toi. Donc cette personne est venue me démarcher, ce n'est pas moi qui étais la chercher, c'est elle qui est venue me démarcher. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a appris? Discernement en avant, intuition en avant. C'est rigolo parce qu'il y a deux nuits de ça, j'ai vu le mot reconnaissance. Dans mon rêve, dans un rêve où j'étais pas très bien dans ce rêve, et je me suis posé la question dimanche, pourquoi le mot reconnaissance est venu se présenter à moi? Et en fait, hier soir, en allant me coucher, je vois le symbole du human design qui se pointe avec le mot reconnaissance. Et là, mes consciences m'ont dit, tu devrais aller voir quel est ton profil dans le human design. Et quand je suis allée voir mon profil dans le human design, eh bien, je me suis rendu compte que j'étais projecteur. Et en fait, quand on est projecteur, si on étudie un peu le human design, on se rend compte que ce n'est pas à nous d'aller faire du porte-à-porte pour trouver des opportunités ou des clients, mais ce sont les clients qui viennent nous voir parce que nous les inspirons. Et c'est là que mes consciences m'ont fait le lien entre cette personne qui vient me voir pour me demander de participer à sa journée spéciale féminine et pourquoi est-ce qu'elle est venue me voir. Et mes consciences m'ont dit, tant que tu reconnais pas la projecteur que tu es, ben, tu ne pourras pas justement être à la base, à l'origine de ton propre succès. Et en fait, en allant réécrire son contrat, j'ai pu redonner de la place à mon identité en tant qu'être humain. Et là, on ne parle pas de l'âme, hein, on parle vraiment d'être humain. Et du coup, aujourd'hui, petit à petit, j'affirme mon profil du Human Design. C'est la réponse qui a été donnée suite à l'écriture de ce contrat. Et vraiment, ça a été une libération pour moi. Depuis ce matin, je rigole toute seule parce que c'est une telle évidence que je n'avais pas vue. J'étais passée complètement à côté. Et mes consciences m'ont montré qu'en fait, tout simplement, ce genre d'outil que j'appelle aujourd'hui acte psycho-libérateur, c'est aujourd'hui mon outil de prédilection, en plus, bien évidemment, de mes canalisations et de mon empathie envers vous et de ma façon de travailler avec vous. Eh bien, le fait d'utiliser le contrat, je trouve que c'est aussi un acte tellement concret dans la matière qui va permettre aussi aux personnes qui le souhaitent vraiment de venir travailler par l'écriture, parce que l'écriture est une thérapie depuis des millénaires, et moi je l'ai toujours dit et j'écris énormément, de vous permettre aussi de libérer les choses, d'accord? Donc pour les personnes que ça intéresse, eh bien n'hésitez pas, venez me voir, on en discute, on papote ensemble sur tout ceci. Je vais vous mettre sur mon site internet, bien évidemment, ce dont je viens de vous parler, je vais vous mettre un lien pour obtenir le contrat et pour vous montrer un petit peu comment c'est constitué, qu'est-ce qu'il y a dedans, sachant que c'est comme un contrat de travail, c'est juste que les textes ne sont pas les mêmes puisqu'ils sont canalisés et calé seulement sur votre prisme et votre histoire, tout simplement. Et je vais également vous mettre sur cette page pro perso la publicité qui correspond, enfin la com qui va avec, pour que vous puissiez avoir toutes les infos. N'hésitez pas à retrouver ce live, il sera sur ma chaîne YouTube. Il sera aussi, il restera sur Facebook pendant quelques temps, mais il sera sur la chaîne YouTube Angélique Accompagnement. N'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas non plus à retourner voir la vidéo sur les contrats familiaux que j'ai aussi disposée sur ma chaîne YouTube. Et ce sera un plaisir pour moi, les amis, de vous retrouver sur un autre sujet, sur une autre vidéo, sur une nouvelle inspiration pour vous accompagner encore un petit peu plus sur votre chemin. Je vous souhaite une belle journée, les amis. Merci d'avoir été là. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.